Debout tout le monde, bon matin! T'es allé au wagon-restaurant? Ouais, mais avant, je parlais au conducteur. Il a dit qu'il y avait une procédure faite spécifiquement pour des cas comme ça. Bon, OK. Suis-tu le seul qui est en feu? Parfait! Notre famille vient de toucher le fond. On est en fuite de la police. On est perdu. Pas d'argent, pas de voiture, pas de linge propre. Puis tout ça, c'est ta faute. Oh, c'est donc plaisant, le mariage. Un casse-croûte. C'est parfait. On se cache jusqu'à ce qu'il arrête de nous poursuivre. Vous avez pris les affiches dans la fenêtre, vous êtes pas mal présomptueux. Vous êtes certain que je vais vous engager? Excusez, j'ai voulu devenir un balayeur toute ma vie. T'as une bonne attitude, je pense que je vais te prendre. Puis toi, mamzelle, là, t'aimerais ça passer à vadrouille? Pas vraiment, non. T'as une bonne honnêteté, je pense que je vais te prendre. Puis vous deux, vous avez pas dit un mot. C'est bon, ça, je vais vous prendre. Youhou! Hey, parle moins fort. Vous allez rester dans la roulotte. Ben, c'est pas le palais de Buckingham. Oh. Mais j'ai élevé 8 flots, 3 petits culs, pis un bébé ici. Yeah! Oh, c'est confortable. Vous êtes hypocrite? C'est bon, ça. Peux-tu te réchauffer, mon cœur? Non, merci. Tu veux-tu d'autres pétacles, mon pite? Ben, je suis correct. Dernière nouvelle. Les autorités du comté des Kosongas sont à la recherche d'une famille de fugitifs. Ils sont accusés d'homicide et de fraude dans un wagon-restaurant. La police vous cherche, hein? Ben, je suis pas là pour vous juger. Que celui qui a jamais péché me jette... Vous êtes à l'abri ici. Faites confiance à la vieille Velma. Arrête ça! Mais je voulais juste vous prouver... Pas joyeux, ça va faire! Prends un verre de bière, mon minou. Prends un verre de bière à trou. Même si je reviens toujours au rock'n'roll. Oh, m'en prends un verre de bière pareil. Oh, regardez les étoiles qu'on peut voir ici. C'est les gaz nocifs du marais qui font paraître plus grosses. J'aime bien ça, finalement, la campagne. Il dit que je gosse comme un secondaire 3, le prof. Puis vous vous êtes rêvé presque plus, les enfants. Trop chaud pour s'être rêvé, faut craindre. Au fond, tuer cet alligator-là, c'était la meilleure décision que je pouvais prendre. M'a dit comme toi. T'es arrête un peu. Ouais. T'es un beau coin de pays. Puis je veux que quand les Hoppy Bard vont se marier, ça leur revienne à eux autres. Yeah! Tu veux dire qu'ils vont se marier chacun de leur bord? OK, mais je veux pas payer pour deux.